si nos camarades ne sont pas libérés avant la fin de l'année. Ils saliront pour de bon l'image du Cameroun. Bonjour. Chloé Johnson, je m'occupe de l'espace FIFA ici chez Morny. Enchanté, madame. Donc, bienvenue. Merci. Vous avez rendez-vous avec Michael, c'est on, ça? On a Bélélie et puis on est passé donc vous remettre un million d'euros de la diaspora camerounaise. D'accord. Concernant l'événement, le probable événement, n'est-ce pas, qui pourrait se tenir au Cameroun dans les jours qui viennent. D'accord. À savoir la Coupe africaine. Oui. De la Sion, voilà, c'est bon. Oui. Donc, il fallait donc vous remettre mon mémoire d'homme. Par rapport à ça, il faut que vous sachiez le point de vue de la diaspora camerounaise en France, quoi, et dans le monde. Okay. Nous représentons la diaspora camerounaise à travers le monde. D'accord. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez le plaisir de recevoir le document. Écoutez, je peux le transmettre. Le truc, c'est que nous, les équipes ne sont pas là encore. D'accord. Donc, si vous avez rendez-vous, j'ai une personne qui est là, mais il est peut-être qu'après-midi. Donc, si vous avez rendez-vous, je peux vérifier avec lui. Oui, essayez de vérifier. Vous avez rendez-vous avec lui? On nous a appelé et puis. C'est avec qui du coup? Non, entre nous, on ne va pas vous dire. Non, on l'a appelé. On l'a appelé. Ok, alors je vais voir. Parfait. C'est juste votre nom, excusez-moi. Je vais voir. Le président de la diaspora camerounaise. Et je souhaite vraiment tous les prisonniers politiques, en particulier, et c'est tout à fait normal, en particulier les prisonniers politiques du MRC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, soient libérés en sorte de passer les fêtes de fin d'année en famille. Ils n'ont rien fait qui justifie qu'ils continuent d'être en détention. Mais je voudrais, pour terminer, dire que ceux qui aiment salir l'image du Cameroun et l'imputent à d'autres, s'ils veulent continuer à salir l'image du Cameroun, ils la saliront pour de bon à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations si nos camarades ne sont pas libérés avant la fin de l'année. Ils saliront pour de bon l'image du Cameroun. Je vous remercie. Dans les choses, mais je dis encore ce qu'il y a de difficile dans cette façon de faire, c'est que certains Africains sont encore complices.